Salut, c'est Élise, bienvenue sur le diamant écolo d'Élise. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous le voyez, unboxing. Donc, c'est un unboxing partenariat. En effet, le site One Day Saving m'a fait de nouveau confiance. Donc, c'est un partenariat que j'ai déjà eu avec eux. Donc là, ils m'ont proposé de choisir des accessoires pour le DP et une toile DP. Donc, il y a des accessoires et une toile. Donc, c'est un site où vous allez trouver des accessoires, du DP, de la peinture par numéro. Et franchement, ils sont pas très chers. C'est un site où c'est en dollars, mais la conversion se fait automatiquement sur le site en euros. Alors, vous pouvez avoir sur ce site les frais de port gratuits dès 55,51 €. Ça, c'est aujourd'hui. Ça fluctue comme c'est en dollars. Ça fluctue avec le taux de change. Donc, aux environs de 45 € de commande, vous avez les frais de port gratuits. Pareil, à partir de ce montant-là, vous avez deux cadeaux gratuits. Voilà. Alors, bien sûr, je vous mets le lien du site en barre d'informations. Je pense que j'ai fait le tour. Donc là, c'est une commande. Donc, on a discuté un petit peu de comment on allait faire le partenariat. Et puis, ils m'ont envoyé le tout le 15 mars et j'ai reçu le tout le 25 mars. Donc, une dizaine de jours. À savoir aussi qu'en plus des promos sur ce site, valable sur tout le site, vous pouvez, donc pareil, je vous le mettrai en barre d'infos, enfin en description, vous pourrez avoir un code de réduction de 5% qui est valable tout le temps avec le code ELISE05OFF. Mais je vous le mets bien en barre d'infos parce qu'il faut bien marquer si c'est en minuscule, si en majuscule, en minuscule. Sinon, vous n'aurez pas, enfin, ça ne marchera pas. Mais donc, je vous mettrai bien comme c'est écrit, comme ça doit être écrit pour que vous puissiez bénéficier aussi de 5% de réduction supplémentaire. Voilà un petit peu pour les infos pratiques sur ce site. En tout cas, je remercie la marque de m'avoir fait de nouveau confiance. Alors, on va déballer tout ça. Alors oui, c'est grand parce qu'il y a un article. Ma foi, je suis super contente de l'avoir. Alors, c'est pareil, j'ai pris les prix en euros sur leur site, à savoir que ça peut varier toujours de quelques centimes en fonction du taux de change du jour. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée des prix. Je vais mettre le collier sur le côté parce que je ne vais pas tout vous montrer directement, sinon il n'y a plus de suspense. Je vais commencer par les accessoires et je terminerai par la jolie toile. Alors, je mets sur le côté. Désolée pour le bruit. Je vais commencer par le grand truc parce que j'ai hyper hâte de voir ça. Alors, il s'agit d'un portfolio. Donc moi j'ai pris couleur rose, mais il y a différentes couleurs sur le site. C'est un portfolio donc qui est super grand pour pouvoir mettre des toiles 30-40 dedans. Donc ça c'est super. Les 40-50, je ne suis pas sûre que ça passe. J'ai pas pris je vais mettre en poche, je vais aller chercher ma petite règle, enfin ma grande règle, comme ça on va pouvoir regarder quel genre de toile on peut mettre dedans. Alors j'ai pris, j'avais pas ma règle, j'ai pris un ruban, on vous mesurera une fois que j'aurai déballé. Alors attention aux oreilles. Youp, youp. Alors, il y a 30 pochettes, je vois. Alors, je ne sais pas si c'est 15 pochettes et 30 vues ou si c'est... Non, il y a 30 pochettes. Donc, c'est pas mal. Ça fait 60 vues. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, regardez, il va pouvoir s'épaissir sans problème puisque c'est prévu pour. Donc, il est super grand. Hein, c'est... voilà. Alors, je suis super contente d'avoir ça parce que j'en avais pas en plus. Donc, ils m'ont proposé ça. J'ai dit, ouais, tout de suite. Ouais, c'est 30. Donc, la pochette en amène fait 30. Donc, du 30 par 40, un peu plus de 40, 41. Donc, vous allez pouvoir mettre des vrais 30-40 dedans. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Ouais, donc ici, 30 pochettes. Ouais, c'est ça, il y a vraiment 30 pochettes. Donc, on peut mettre, si on vous en mettez recto verso, si vous en mettez qu'une par pochette, ça dépend, je ne sais pas trop, puisque je n'ai jamais testé, je ne sais pas trop quelle épaisseur on peut mettre dedans. Mais en tout cas,
Au moins, déjà, vous pouvez en mettre 30. Et peut-être, si ça passe, vous pouvez en mettre recto verso. Vous pourriez en mettre même jusque 60. Donc, ça, c'est super cool. Je suis hyper contente. En plus, c'est beau. Enfin, moi, j'aime bien cette couleur-là, mais je crois qu'il y a du bleu, du blanc. Donc, ça, vous pouvez choisir. Donc, le portfolio en format, du coup, on est sur du format A3. Je pense que c'est ça. Puisque deux feuilles, ouais, c'est ça. Ça doit être c'est du A3. Il est à 12,73 €, donc c'est pas excessif du tout. Moi, je trouve que le prix est tout à fait correct hein, pour un beau portfolio comme ça avec 30 pochettes dedans. C'est pas mal du tout. Hein, c'est pas mal du tout. Ouais. Les pochettes sont d'une qualité convenable. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, franchement, c'est un super truc. Je suis très très contente de l'avoir eu. Ouais, allez, je vous dis 12,73 €. Ouais, ça c'est correct, hein, parce que j'en avais repéré sur Amazon, c'est, me semble-t-il, un peu plus cher que ça. Mais en tout cas, une belle acquisition, je trouve, pour ranger ses DP en 30-40, ben, le top. Quoi. Là, c'est nickel, il n'y a pas besoin de coller, il n'y a pas besoin de ceci. On les glisse dedans et franchement, ils sont stockés une fois terminés. Ben, même pas terminés, mais bon, moi je les mettrai une fois terminé. Donc, je suis super contente de cet article de DP. Alors, suivant. Voilà. Alors, suivant, c'est un petit accessoire que j'aime beaucoup parce que j'en ai déjà eu, mais pas sur ce site. Donc, il s'agit. Alors, ça, je trouve ça hyper pratique. Notamment, moi, je m'en sers quand, vous savez, vous faites un DP en double face où il y a le papier blanc et que vous voulez, même sur le papier pas blanc, hein, sur le papier comme ça transparent, où vous voulez découper vos petites cases. Moi, j'utilise ça. Alors, c'est un stylo cutter avec une mini lame céramique. Vous n'allez peut-être pas la voir en vidéo, mais c'est hyper tranchant. Mais elle est toute, toute petite, donc ça vous évite de fiche des gros coups dans votre. Parce que moi, je suis pas très douée avec les cutters, j'ai toujours peur. Déjà, ça me plaît pas. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est très précis déjà et ça coupe très bien. Ça, je vais vous le montrer tout de suite sur mon petit cahier. Regardez, on. Voilà, sans appuyer, on a une découpe qui est nickel, propre, qui ne fait pas de petits arrachages. Donc, hop, on pose. Alors, moi, je pose comme ça, je mets ma règle et je fais mes petits carrés pour diamanter. Quand je ne le fais pas tout le temps, mais quand je le fais, voilà. Et du coup, vous transpercez pas votre toile, ça c'est cool. Après, je m'en sers également pour fiche des petits coups de cutter quand j'ai des rivières aussi dans les sur les toiles. Donc, je mets des petits coups et comme ça, vous n'avez pas de risque de passer à travers carrément la toile. Parce qu'avec un cutter, faut se méfier, la lame étant plus longue, on peut, si on appuie trop, ouvrir sa toile en deux. Et ça, c'est pas recommandé, quoi. Enfin, c'est pas top, quoi. Mais là, vous voyez, ça découpe très très bien et vous n'avez pas de risque d'endommager votre toile grâce à ces petits stylos comme ça. Donc, j'en ai déjà un. Je suis super contente qu'il m'ait proposé d'en avoir un deuxième. Chez eux, le stylo comme ça, cutter à lame céramique, est à 2,72 €. Donc c'est pareil parce que sur AliExpress, ça tourne sur les alentours-là parce que le stylo en lui-même est moins cher, mais il y a toujours des frais de port sur ces articles-là sur AliExpress. Donc là, pour le coup, on est dans les tarifs AliExpress. Donc pourquoi pas en profiter pour commander avec des toiles des petits accessoires comme ça, vous arrivez au bon montant pour éviter les frais de port et puis avoir des petits cadeaux. Donc ouais, super pratique. Ça, moi, je vous le recommande vraiment parce que ouais, il n'y a pas de risque d'abîmer sa toile, quoi. C'est vraiment ça et ça coûte très très bien. Donc c'est un petit ustensile qui, ma foi, est très pratique. Donc super petit accessoire également. Et enfin, on va découvrir la jolie toile. Alors, il m'avait proposé, en fait, il m'avait dit qu'il s'était mis à faire des accessoires. Donc, c'est pour ça qu'il m'avait proposé des accessoires. Il m'avait dit que je pouvais prendre une toile en plus. Donc, j'ai choisi une petite toile qui me plaît beaucoup. Vous allez voir, ça reste dans mon univers de toile. Donc, je ne vous en dis pas plus. On va la découvrir ensemble. Ah, c'est super bien collé. Je vais découper parce que je vais pouvoir faire. Après, j'arrache tout. C'est pas top. Donc, j'ai pris les ciseaux. Pour une fois, je n'ai pas pris les mini ciseaux. Hein. Vous verrez dans la vidéo, je me suis équipée pour une fois de mes grands ciseaux. Parce que d'habitude, je prends les tout petits ciseaux de scrapbooking. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour ouvrir les colis. Alors, on va regarder les couleurs dans un premier temps. Alors,
Youpla, bah déjà, bonne surprise, en petit sachet individuel. Moi, c'est ce que je préfère. Alors, on a un tout kit, pour le coup, complètement basique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le pain de cire, la petite barquette verte et le stylet, tout simple. Bon, je vois que les diamants viennent en sachet zippé. Et moi, j'adore parce que, pour celles qui me suivent depuis longtemps et celles qui ne me suivent pas, ben, vous saurez, je suis une grosse feignasse pour ranger mes... Comment ça s'appelle ? Mes sachets en ribambelle dans mes pilules, ça me gave. Moi, j'adore faire mon DP, mais j'aime pas du tout faire la préparation. Hein. C'est moi. Il y en a, ils adorent ça, hein, mais chacun son truc. C'est vrai que ça peut faire partie du rituel, mais enfin, bon, c'est pas mon kiff. Je dois soit les défaire, moi, je vais les défaire, parce que sinon, on va pas les voir. Ils sont tellement bien rangés. Alors, on va regarder, parce que comme ça, on va pouvoir regarder. Alors, on a le numéro, je suppose, qui correspond au numéro de la toile sur le sachet. Donc, ça, c'est bien. Et on a la DMC également sur le petit sachet. Je trouve qu'on a des belles quantités déjà. Alors, après, à voir sur toute la toile, mais pour une toile 30-40 bords inclus, je pense, de belles quantités. Écoutez, je regarde les diamants. Ils sont bien plats en dessous. Il n'y a pas de petits trous sous dessous. Ils ne sont pas bombés en dessous. Au-dessus, normal, ils sont bombés. Ce sont des diamants ronds. Ils sont super brillants. Écoutez, moi, je trouve la qualité du diamant à vue d'œil, hein, parce qu'après, avoir contre diamant, nickel. Mais après, vous ne serez pas déçus de ce site. En général, les produits sont tout à fait corrects. Donc, on est dans des couleurs, vous pourrez voir, un peu rosé, violet, vieux rose. Vous allez voir pourquoi la toile après. Enfin, moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Les bordeaux, les violets, les vieux roses, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Voilà, donc là on est vraiment sur un camélieu de rose violet qui est plutôt joli. Je ne sais pas, j'ai cru voir un sachet 23, donc a priori il y a peut-être 23 couleurs, on va voir ça après sur la toile. Donc je pousse tout ça pour que nous puissions enfin découvrir la toile que j'ai choisie. Alors, déjà, je vais la rouler dans l'autre sens afin de pouvoir vous la montrer. Vous allez voir, c'est vraiment mon style. Alors, c'est parti. Donc, on est sur une toile 30-40 bord inclus, je pense. Je vérifie avec moi. Oui, tout à fait, 30-40 bord inclus. Donc, il s'agit d'une petite poupée. Je les aime beaucoup, ces petites poupées. Alors, celles-ci, elles sont vraiment très jolies. J'en ai une autre, je pense, style Saint-Patrick. Dans les verres avec trèfle et tout ça. Là, c'est une petite poupée avec des ailes un peu d'ange, mais elle est dans les teintes bordeaux noires. J'aime beaucoup. Là, on s'en rend pas trop compte parce que c'est avec impression en blanc, elle fait pâle sur le coup quand on la déballe. Donc, je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir. Je vais me mettre derrière l'écran pour voir si c'est pas flou pour vous. Alors, attendez, je la mets dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est ce petit dessin-là. Voilà, voilà. On ne voit pas bien. Mais de toute façon, vous aurez les liens de chaque article en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas. Ils ont toute une collection comme ça, poupées. Alors, avec différentes poupées, différents modèles. Aussi, on la voit bien. Là, c'est nickel. Alors, d'ailleurs, sur cette collection-là et uniquement sur cette collection-là, si vous en achetez 5, vous en avez une 6e gratuite. Donc, c'est pareil. C'est une autre promo, mais vraiment sur la collection poupée. Donc, je vous mettrai le lien collection poupée. Comme ça, si vous voulez profiter de l'offre 5 achetés, une gratuite sur des poupées, vous aurez le lien directement sur la collection poupée. J'espère que j'ai été claire sur ce coup-là. Donc, on est sur une toile. Il y a 24 couleurs. Il n'y en a pas 23. 24 couleurs. Donc, en 30-40, en diamant rond. C'est une toile en colle coulée. Donc, pas de problème de rivière. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Ça colle très, 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 très bien. Je vais vous amener de près. Je vais mettre le zoom. Excusez-moi si ça tangue un peu. On va essayer de zoomer. Alors, attendez, hein, c'est jamais focus. Voilà, maintenant, c'est pas net. Hein. Ah, voilà, c'est net. Vous pouvez voir l'impression, donc, dans le fossé qui est en blanc et dans le clair qui est en noir. Et c'est très, très bien imprimé. Voilà, voilà.
Donc, jolie, jolie toile. Moi, j'aime beaucoup ces poupées. Hein. J'en suis fan. J'en suis fan. Ouais. J'ai une affection pour toutes les petites poupées, que ce soit les gorgeous, les poupées aux gros yeux, ou celles-là. Celles-là, elles ont déjà des grands yeux, mais pas les grands, 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 grands yeux. Il y en a à qui ça me plaît moins, les grands yeux. Mais là, vous verrez, ils ont vraiment une grande collection de poupées. Et ils n'ont pas que des 30-40, ils ont aussi des 40-50 en poupées. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien, de toute façon, vous pourrez découvrir cela. Donc voilà un petit peu la sélection de produits que j'ai fait sur le site Holiday Saving. Je les remercie vraiment pour leur confiance. Donc oui, je vous ai tout dit. La série, je vérifie sur mon petit cahier. Hein, j'ai fait un petit pense-bête pour rien oublier de vous dire. Donc la série de poupées DP 5, achetez une gratuite. Donc ça, c'est pareil, vous avez un lien direct vers la série poupée. La toile poupée, je ne vous ai pas dit le prix. Vous voyez, je fais bien de regarder mon petit cahier. La toile poupée est à 5,88 €. Donc, franchement, super tarif également. Donc, voilà, je vous mets les liens de chaque article en barre d'infos. Lien direct, c'est des liens courts. Donc, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur l'article que je vous ai présenté. Je vous mets également le lien du site. Je vous mets mon code réduction de 5% qui est valable tout le temps. Et de toute façon, ces articles-là, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, notamment quand je vais ranger des DP, je vous montrerai ce que ça donne dans le portfolio. Et puis quand je ferai cette petite toile, et ben pareil, on la fera ensemble en vlog. Écoutez, ben j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Mais en tout cas, je suis très contente des articles qu'ils m'ont envoyés. La toile, elle est super jolie. Mais je suis surtout contente de mon portfolio parce que ça va être génial pour moi ranger mes DP 30-40 et 30-40, l'image, hein, quand j'aurai fait de la découpe, je pourrais même mettre les grands 30-40 de chez Home Fun ou autre, enfin bref. Voilà, donc écoutez, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!